Depuis 9 mois, à chaque match, peu importe les conditions, une chanson résonne dans les tribunes de la Beaujoire après 9 minutes de jeu. Un hommage à l'ancien numéro 9 disparu le 21 janvier dernier. C'est un gars qui a toujours mouillé le maillot. Il n'a jamais rien lâché pour le club et donc on doit lui rendre hommage de là-haut. Nous aurons une pensée pour lui demain, après-demain et toujours. Et je crois qu'il restera jamais dans nos cœurs. Comment oublier ces images? Il y a 9 mois, au centre d'entraînement de la Jaunelière, l'avion qui transporte Emiliano Sala vers son nouveau club de Cardiff vient alors de disparaître. On a encore de l'espoir. Et tant qu'il n'y aura pas de corps, tant qu'il n'y aura pas de possibilité de faire le deuil, et ben on va respecter la famille. Je n'ai jamais vu, autant dit, quelqu'un qui parle de mal de lui. C'est vraiment un super mec, super garçon. Début février, la planète football est en deuil. Le corps du joueur, auteur de 48 buts en jaune et vert, est retrouvé en mer. Lors de ses obsèques à Progreso, en Argentine, le défenseur Nicolas Palois lui rend un dernier hommage. Orphelin de son ami, il évolue toujours au FC Nantes. S'il est le dernier joueur à avoir vu Emiliano Sala vivant, aujourd'hui, il ne veut plus s'exprimer sur le sujet. Quant à la direction, elle a posté ce message aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain, nous pensons à toi, Emi. Hier soir, l'équipe s'est battue pour te rendre hommage. Un hommage sobre du club, toujours empêtré dans un litige financier avec Cardiff, concernant le paiement du transfert du joueur. Il a donné beaucoup à Nantes et voilà, le public lui rend, ce qui est normal. C'était un bel attaquant et on voit, ça manque aujourd'hui au club de Nantes, il manque quelque chose. Emiliano Sala aurait fêté ses 29 ans aujourd'hui. Son histoire avec le FC Nantes semble loin d'être terminée.